me see the beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I... Je fréquente le théâtre d'aujourd'hui depuis presque 40 ans, donc c'est un théâtre que je connais, que je fréquente. C'est le seul théâtre qui est consacré exclusivement à la dramaturgie québécoise, mais aussi francophone d'Amérique. Donc, c'est vraiment un lieu unique qui est un lieu de liberté pour les auteurs. La plus grande part de leur dévouement avant le thrill puis les applaudissements d'un soir comme ce soir, c'est les répétitions, l'engagement, le travail qu'ils ont à faire à la maison pour apprendre des textes, alors que c'est des gens comme très occupés. Moi, c'est ça qui me touche. Vous savez, tous les organismes culturels ont extrêmement besoin du soutien et du financement privé pour pouvoir faire leur mission, remplir entièrement leur mission. L'objectif des soirées bénéfices, c'est de ramasser des fonds pour le théâtre d'aujourd'hui qui servent à payer l'équivalent d'une production supplémentaire, une création supplémentaire de plus par année pour le théâtre d'aujourd'hui. C'est beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais je pense qu'on a, malgré toutes ces heures de répétition-là, le moment qu'on franchit le pas du théâtre, qu'on se retrouve dans la salle de répétition, qu'on se retrouve avec notre monde, on se crée des amitiés aussi, puis des liens incroyables. C'est comme si ça évacuait la semaine, qui des fois, si on a eu une mauvaise journée ou peu importe, on se retrouve, puis là, c'est toujours des beaux moments. Et je pense que je parle pour certains aussi. J'ai un sentiment d'imposteur quand même quand je monte sur scène. Définitivement. Et malgré tout ça, l'équipe qui nous entoure réussit à nous le faire évacuer. Et pendant une heure et demie, on se pense presque professionnel. C'est une belle expérience là-dessus. C'est merveilleux. Vous allez entendre certaines de ces voix ce soir grâce au talent de ces acteurs d'un soir qui ont eu le courage de se lancer dans cette folle aventure théâtrale. Moi aussi, je les ai vus tout à l'heure. Ils sont dans les coulisses. Ils sont très fébriles. Ils sont très heureux de venir à votre rencontre ce soir. Je leur dirais, comme c'est leur dernière, ils sont extraordinaires de se lancer à corps perdu avec générosité, avec humilité, avec folie.